filmes bien ton film. Ah, ouais, ouais. Tu filmes bien pour lui donner la cassette à regarder. Oui, oui. Mais il est malade. Je vais faire un montage, je veux bien vous, je vous donnerai le film brut et le montage. Avec ta musique au fond. Oui. Si vous voulez mettre sur le dos, capte si vous voulez. Est-ce que vous pouvez juste reculer un petit peu, s'il vous plaît, le véhicule va venir ici. Non, elle va suivre, elle va suivre. Eh bien, on va le suivre, il est de fort. Commençons pas, soyez gentils, écartés. Essayez de faire l'espace, vous serez super gentils. Hein. Oui, je n'en. Attendez, laissez Vicky, fais passer la jaille là. Vas-y. Allez, vous pouvez aller. Je passe devant là-bas. Nanasson, s'il vous plaît, un peu là.
attends. Ils veulent pas écarter. Écartez, s'il vous plaît, un peu. Nous voici rassemblés aujourd'hui autour de Manide. À vous qui l'avez connu, à vous qui l'avez aimé, ensemble, souvenons-nous de lui et ce qu'il a représenté pour chacun et chacune d'entre vous. Il a quitté ce monde, mais continue à vivre dans vos pensées et dans vos cœurs. Les images et les souvenirs aujourd'hui endeuillés que vous garderez de lui se feront de jour en jour plus apaisants et transformeront lentement la tristesse que vous éprouvez en un sentiment de reconnaissance et de gratitude pour tout ce qu'il vous a donné. Mais à présent, mesdames, messieurs, est venu le temps des hommages. Ils vont se dérouler en deux parties. Tout d'abord, nous laisserons la parole aux autorités. Puis viendra le temps du recueillement que nous proposera Monsieur le pasteur tout à l'heure. J'invite tout d'abord Monsieur le maire de la Grande Motte, Stéphane Rossignol. De la Grande Motte, je voudrais apporter un témoignage à la fois personnel et puis aussi un témoignage au nom de la ville de la Grande Motte et des Grands Motois. Vous le savez, jusqu'à ces derniers jours, Manita était très attachée à la Grande Motte. Il faisait un avec la Grande Motte, où il a vécu de nombreuses années, quasiment jusqu'à ces derniers jours. Je garderai de Manitas une rencontre. Peu de gens s'en rappellent ou le savent, mais lorsque je me suis présenté la première fois à la Grande Motte pour être maire de cette ville, c'était en 2001, il avait accepté de m'accompagner dans l'équipe que j'avais formée
il occupait symboliquement la dernière place. Et c'était la première fois, je pense, que pour lui, le roi de la musique et des gitans, s'engager à soutenir quelqu'un. Mais il s'engageait surtout pour sa ville, pour la Grande Motte. Cette ville qu'il a tant aimée, où on l'a si souvent vue. D'abord au volant de sa magnifique Rolls-Royce blanche, ensuite sur les terrasses des cafés, en particulier le café en dessous de sa résidence et qu'il aimait tant, mais également sur le front de mer, dans le quartier du Couchant, où après avoir joué parmi les plus grands, devant les plus grands, dans les plus belles salles de spectacle, eh bien, il n'hésitait pas à aller dans le plus petit bar avec sa famille, avec ses filles, ses enfants, pour honorer le public qui venait l'écouter, les grands motois, les touristes. Manitas, j'avais eu l'occasion et la chance, lors de son 90e anniversaire, il avait célébré avec sa famille et ses amis, avec Lucien Clergue, il était présent, avec Patrick de Carolis, qui était venu aussi. Je lui avais fait citoyen d'honneur de la ville de la Grande Motte. Il était temps, je dirais, je n'étais maire aussi depuis peu, mais j'ai tenu à honorer cette personnalité, ce personnage qui a tant marqué la musique, qui a tant marqué les esprits et qui a beaucoup marqué également les grands motois qui étaient très attachés à lui et qui le rencontraient régulièrement. Il avait, je crois, été très heureux de recevoir ce diplôme, ce témoignage qui honorait sa personnalité en devenant citoyen d'honneur de cette ville qu'il a donc tant aimé. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, le témoignage que je souhaitais aujourd'hui apporter. Dire que la Grande Motte aujourd'hui est en deuil et que dans les prochains jours, bien sûr, la ville de la Grande Motte lui rendra l'hommage qui se doit. Je vous remercie. J'invite maintenant monsieur le... Avec Hélène Mandrou, maire honoraire de la ville de Montpellier, représentant le conseil municipal de la ville et le conseil des 31 maires de l'agglomération de Montpellier, future métropole. Nous tenons à affirmer notre grande tristesse et nos sincères condoléances à toute la famille de Petites Mains d'Argent. C'est une légende qui s'en va aujourd'hui. C'est le guide de tout un peuple qui nous quitte. Celui qui a mis sur toutes les scènes du monde la musique gitane, la musique flamenca. C'est notre identité partagée qui quitte la planète. Nous tenons véritablement à nous associer à votre peine, celle de sa famille, de ses proches, de ses sœurs, de ses enfants et à tout le peuple gitan de Montpellier et de l'agglomération. Je voudrais leur dire que l'an passé, avec Hélène Mandrou et à l'initiative d'Hélène Mandrou, nous avons fêté à la mairie de Montpellier son anniversaire, que tous les élus étaient présents à ses côtés et que, aujourd'hui encore, avec Hélène Mandrou et tous les élus de la ville, de l'agglomération, nous vous promettons, parce qu'on me l'a demandé, beaucoup de sa famille me l'ont demandé, de faire à Manitas des Plates une grande statue à Montpellier. Il est né à la rue Antérieux. Figuerolles, c'est ma famille. Nous remplirons notre engagement le plus vite possible. Et nous le ferons avec vous. Parce qu'il a marqué l'histoire de la ville et l'histoire du monde entier.
lorsqu'après Django Reinhardt, il joue avec Paco de Lucia. Lorsqu'il côtoie Dali, Picasso, Brigitte Bardot et bien d'autres. Il est une star planétaire. C'est l'un des plus grands personnages de la vie. Et nous traiterons sa mémoire comme elle doit l'être, au rang où elle doit l'être. Voilà, je très affectueusement, je vous embrasse. Mon plus ancien souvenir de Manita, c'était quand j'étais sur les bancs de la faculté de médecine. Et personne encore ne le connaissait dans sa célébrité, il n'avait pas encore traversé l'Atlantique. Mais nous, les étudiants en médecine, on était sensibles à cet art. On découvrait un homme qui, quand on l'écoutait, on découvrait un monde extraordinaire. Il avait une façon de jouer exceptionnelle. Moi, personnellement, je ne suis pas une spécialiste de la guitare, mais quand j'écoutais cette guitare chanter, j'entrevoyais un autre monde. Et c'était ça, la magie de Manita. Il a fait découvrir une magie extraordinaire, cet art de la guitare. Mais un art qui a dépassé les limites de Montpellier, cet art qui est allé de l'autre côté de l'Atlantique. Et je dis avec Philippe, je suis entièrement d'accord avec lui, Manita a été et sera un grand ambassadeur de la ville de Montpellier. Ça va, ma? Oma? Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Pierre de Bousquet de Florian. Monsieur le Préfet. L'admiration et de la reconnaissance de notre pays. De vous tous, peut-être, je suis le seul à n'avoir jamais rencontré Manita del Plata, mais je le connaissais. Je le connaissais depuis plusieurs décennies. Je voudrais dire à sa famille, je voudrais dire à ses amis, je voudrais dire aux Montpelliérains, aux Héroltais, musicien et gitan, il appartient au génie universel. Il est à eux, mais il est à nous tous. Ricardo Baliardo, vous avez été un grand Français, portant très très loin votre renommée, bien sûr, mais y associant celle du pays qui vous a vu naître. Que tous ceux qui l'ont connu, que sa famille, que ses descendants soient fiers de lui, maintiennent son souvenir qui nous appartient à tous. Je vous remercie. Bravo, bravo. Et une grande perte pour tous nos petits frères gitans. Manita s'emporte avec lui toute la joie de vivre et l'insouciance de ma jeunesse. J'ai une immense admiration et une grande tendresse pour cet homme qui, parti de rien, est devenu un seigneur aux mains d'argent, sans avoir jamais étudié la musique. Il avait reçu le don unique d'espoustouflé par la puissance et la rapidité de son jeu qui enflammait son auditoire, tout en restant dans une grande simplicité, pleine de noblesse innée. L'avoir connu est un honneur, le perdre est un malheur. Il restera à jamais inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Brigitte Bardot, le 6 novembre 2014. Bravo, bravo. Et Baillardot, toute la famille qui vous remercie de votre présence. Pourquoi je prends la place en tant que pasteur évangéliste? Parce que je suis un neveu donc à Manita, avec ses petits-fils qui sont ici. Et mercredi soir, avant qu'il quitte cette terre, il est parti vers les 1h du matin. Et je me suis senti poussé d'aller le voir. Il était 22h30 à peu près.
Et je suis rentré dans la chambre pour être avec lui. Et j'ai dit, et donc à mes cousins, à ma famille qui était là, j'ai dit, je voudrais rester seul avec lui. Parce que je savais qu'il allait partir. Partir pour un voyage sans retour. Partir dans l'éternité. Alors, en ayant connaissance de ce livre qui est dans ma main, le livre saint, le livre de Dieu, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et en ayant connaissance de ces choses, puisque moi, avant d'être pasteur, j'étais quelqu'un comme vous ici, je suis aussi un musicien, un chanteur, j'ai eu l'occasion de partir avec lui, de faire des tournées avec lui. On faisait la première partie, lui faisait la deuxième, et quand les gens avaient entendu donc notre répertoire à nous et lui, les gens, c'était lui qu'ils appelaient. Pourtant, nous, on était 12 sur scène. Lui était seul. Mais la star, c'était lui. Les gens appelaient Manita. Et un jour, j'ai fait l'expérience, un jour de ma vie, de rencontrer Jésus-Christ. De faire une expérience avec ce Dieu qui est vivant. Ce Dieu dont je ne voulais rien savoir, comme vous peut-être. Et quand j'ai fait mon expérience avec le Dieu vivant et vrai, j'ai été voir ce bien-aimé, celui qu'on aime. Et quand je suis resté seul, je lui ai dit, tonton, je lui parlais en catalan. J'ai dit, tu vas partir, mais il faut que quelqu'un parte avec toi. Il ne faut pas que tu partes seul. Ta gloire que tu as eue, elle ne pourra pas te suivre. La guitare que tu as tant aimée, elle ne pourra pas non plus te suivre. Il faut que tu partes avec quelqu'un. Tonton, tu t'es fait un nom, toi. Avec ces mains que tu avais, ces mains d'argent, ton nom est planétaire. Tu es la star incontestée. Mais il y a quelqu'un qui t'a aimé, qui s'est fait un nom avec son propre sang. Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie pour toi. Tu as vécu ta vie comme bon te semble. Tu as profité de la vie. Il y a l'heure de ton départ. Il faut que tu partes avec Jésus. Nous, on va te quitter. Et regardez, nous l'aimons. Ces sœurs qui sont là, une de ses sœurs, c'est ma grand-mère. Sa famille est là, ses cousins, ses neveux, ses fils. Nous l'aimons. Mais nous ne pouvons pas partir avec lui. Nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Par contre, il y a quelqu'un dans le ciel qui est vivant. Et qui a dit, si quelqu'un croit en moi, ne mourra jamais. Et je dis, tonton, il faut que tu acceptes Jésus. Je lui dis, convertis-toi, appelle-le. Je lui parlais en catalan, je lui dis, appelle-le. Tu vas partir par ce chemin de l'éternité. Et Jésus est ton ami, celui qui t'aime, celui qui a donné sa vie pour toi. Et je voudrais vous dire cet après-midi, je lis un verset et je vais conclure. Dans le livre de Salomon, l'Ecclésiaste, il va dire ces paroles dans le chapitre 9, du verset 13. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il y avait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Nous nous souviendrons toujours de Manita. Nous aurons toujours une pensée pour lui. Vous ne l'oublierez jamais. Et nous non plus d'ailleurs. Mais il y a quelqu'un que nous avons tous oublié. C'est celui qui nous a tant aimé à la croix. Il a été crucifié pour nos péchés. Celui qui nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je continuais en lui chantant un cantique spirituel. Et quand j'ai terminé, j'ai vu une larme couler. Et je lui tenais la main. J'ai dit, tonton, tu ne pars pas tout seul. Celui qui t'a aimé, celui qu'on a mis dans le tombeau, et celui qui est ressuscité, il s'en va avec toi. Amen. Amen. Je voudrais vous dire, cet homme-là,
a réuni des milliers de personnes dans des salles, dans son vivant, et même dans sa mort. Encore aujourd'hui, il réunit des milliers de personnes. Il part, mais quelqu'un l'a pris avec lui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je conclue par ce verset de la Bible. Avant qu'il soit trop tard, l'expérience qu'il a faite, vous la ferez un jour, que vous le croyez ou pas. On peut être pauvre, riche, intelligent, ignorant. On peut avoir fait des études extraordinaires, on peut être un docteur, un avocat. Un jour, nous quitterons la terre. Lui avait un privilège que peut-être vous n'aurez pas, parce qu'il avait de la famille chrétienne, des pasteurs. Son petit-fils qui est pasteur, moi-même, il a eu l'occasion qu'on puisse lui parler de Jésus avant qu'il quitte la terre. Peut-être toi, tu n'auras pas la même occasion. Tu l'as peut-être cet après-midi. Accepte Jésus dans ton cœur. Amen. Accepte celui qui t'a aimé. Celui qui est mort pour tes péchés. Je vous remercie. La famille Bayardeau vous remercie de votre présence. Maintenant, je voudrais prier le Seigneur. Et après, nous allons chanter un chant spirituel que je lui ai chanté avant qu'il quitte la terre. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier. Parce que toi, tu demeures éternellement. Tu es vivant. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Je te loue, Jésus. Parce que tu as prouvé que tu es le roi des rois. Tu as prouvé que tu es le prince de la vie. Tu es mort à cause de nos péchés. Tu es mort parce que tu nous as tant aimés. Et tu es ressuscité. Je te remercie, Jésus, de m'avoir donné l'occasion de parler à mon oncle de toi. Amen. De m'avoir donné l'occasion de lui parler de ce grand berger que tu es. Alléluia. De ce grand Dieu puissant, t'es vrai. Merci. Tu bénis toutes ces âmes ici. Tous les hommes, les femmes, tous ceux qui sont là, Seigneur, tu les bénis. Ils se souviendront toujours de Manita. Mais que, Seigneur, tu permettes qu'ils se souviennent de toi. Oui, amen. Toi qui es éternel, toi qui es vivant. Nous te remercions de tout notre cœur pour le grand roi que tu es. Merci, Jésus. Et à toi la gloire. Amen. Voilà, maintenant, je voudrais chanter ce cantique que je lui ai chanté avant qu'il quitte la terre. On le chante ensemble. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a acheté, je suis plus blanc. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Voilà, nous vous remercions à tous. Laissez la place aux gens qui vont s'occuper de prendre. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, le cercueil de Manita reposera dans le caveau de famille. Nous formerons un cortège et nous l'accompagnerons vers sa dernière demeure. Merci à vous. Bon, maintenant, il faut y aller, hein. Pardon. Avancez, canard, avancez. Pardon. Pardon. Avancez, maman. Janine, marche. Marchez. Eh oui. On va pas lâcher. Oui, non, mais ça va pas. Déjà, ils viennent de passer sauvage. Écartez le vin, oui, c'est mariage. Avance, Fernand. Écartez. On va de suite, on enlève les tétons, on va les tétons. Attendez. Attendez.
Vas-y, tu peux y aller là. C'est pas ma demande d'avancer là. Allez, écartez-vous un peu de là. Écartez-vous. Allez-y. Mettez-moi en place. Mettez-moi en place. Tu viens dans le verre dans 2 millions de règles. La maxime, viens ici. Enlève le trèfle. Enlève le trèfle. Mesdames, messieurs, vous voulez bien vous écarter, s'il vous plaît. Messieurs, gauche. Je demande des fans par ce droit. Non. T'as compris, je veux te dire. Merci. Là, il faut lui rendre hommage, je pense. Eh oui. Je l'ai su il y a quelques années. Cabra dintre, ma cara va, ja veu que cabra. Thank you.
Non, mais je suis plus le même numéro. Je vais te le donner dans une minute. Voilà, on va faire l'échange avec le téléphone. Comme ça, il faut que tu puisses t'entendre jouer un peu. Tu joues comme Manita, j'aime bien. Non, un petit peu, mais bon, c'est vous les maîtres, c'est pas moi. Moi, je suis très intéressé. On apprend toujours des autres, hein. On a toujours besoin d'apprendre. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais que j'ai gardé les enregistrements en tout. C'est vrai. Bien sûr, je les ai toujours. Je les ai archivés et tout. Ah, c'est bien. Il y avait ta grand-mère. Elle est décédée. Elle... Disons qu'il y en a énormément, donc on va essayer de caser. On voit les écritures, quoi. Oui, mais si on le met en travers, tout ne passe pas. C'est dur, pour le restaurant. Oui, oui, oui. Ah ouais, moi je signe de suite à 80. Ah oui. C'est grand, ouais. On monte, on monte avec toi. On monte, on monte. Allez. Vas-y, laisse passer. Le problème, c'est que je te le mette au bagne. Donne-moi le petit pied. Je suis là aussi. C'est le bain où il y a la grande mosse. C'est le bain où il y a la grande mosse. Il y a la dernière pièce après. C'est le
Le client, et c'est le bar, les amis, où il allait avec grand-mère. Un autre client et ami. Là, je ne sais pas qui c'est ça. Et oui, qu'est-ce qu'il y a écrit en bas là? Il s'écroule, la région, il s'écroule sous les fleurs maintenant. Si vous pouvez voir. Il serait fier. Il serait fier. Ah oui, il méritait. Mais ça, c'est... Il a... Ah.